pas une vidéo en direct sur YouTube? Non, pas moi. Parce que je vois, on voit beaucoup de concertistes qui jouent très bien. Et puis, bon, je ne suis qu'un pauvre organiste liturgique, c'est-à-dire, je suis un organiste d'une paroisse, comme beaucoup d'organistes de paroisse qui font vivre leur orgue. Mais on pourrait montrer où se trouve Malo-les-Bains. Ah oui, c'est vrai. On pourrait montrer où se trouve Malo-les-Bains. En fait, Malo-les-Bains, ça se situe en France, dans le haut de la France, dans le nord, et dans la Flandre. Et alors, si on regarde une carte de Flandre, cette carte, c'est une carte avec tous des points noirs qui représentent des villes ou des villages où il y a un orgue. Et la Flandre est la quatrième région la plus riche en orgue, après bien sûr Paris, l'Alsace, la Lorraine. Et on voit Malo-les-Bains et on voit dans toute cette Flandre énormément d'instruments. Alors, nous, on est une association, nous sommes des bénévoles, on essaye de faire au mieux. Et peut-être que tu as une vidéo sur Malo-les-Bains. Oui, la voici. Comment vas-tu expliquer ce qu'est un orgue alors? Alors, pour expliquer, bon, c'est un orgue. En fait, l'orgue, c'est un instrument à vent et avec des tuyaux. Et le plus souvent, il y a des claviers. Alors, je vais présenter l'orgue comme c'est pour tout public. D'abord pour les petits-enfants et aussi pour les grands-enfants. Mets-nous un petit peu, Tom. Oh, un orgue. Écoute un peu comme c'est beau. Voilà, donc on va faire comme Tom et Jerry pour les petits, pour voir comment c'est à l'intérieur d'un orgue. Alors l'orgue, bon, si on fait un YouTube, hein, c'est 270 ans avant Jésus-Christ, un Grec qui s'appelait Ctésibios, qui a inventé l'hydraule, c'était un instrument de luxe dans le monde romain. Ensuite, il y a eu d'autres orgues, les portatifs qu'on portait et qui servaient pour les troubadours, le positif qu'on posait sur un meuble qu'on trouvait sur les dans les jubés des églises, dans les salles de musique des châteaux. L'orgue est arrivé dans les églises vers le Xe siècle et au XIVe siècle, ce fut les grandes orgues. Comme on peut voir ici sur un orgue qui est plutôt récent, car il est 1905, l'orgue du Dôme à Berlin. Alors, si on regarde bien sûr la photo de cet orgue, on voit un petit orgue sur le devant. Donc c'est le positif, celui qui était posé sur une table, qui est arrivé là-bas en tribune, et il est dans l'échancrure de la tribune. Et le grand orgue est derrière. Et c'est ce qu'on retrouve toujours. Alors où est-ce qu'on trouve des orgues, hein, maintenant? Alors on en trouve dans le chœur d'une église.
Alors là, c'est l'orgue de Nantes, un orgue Boeschet qui est magnifique. L'orgue de tribune, alors un instrument magnifique qui se trouve à 30 km de Dunkerque, c'est l'orgue de la cathédrale de Saint-Omer. L'orgue peut être dans un salon, il peut être aussi accroché au mur de l'église de la cathédrale. On voit ça à Strasbourg, mais ici on le voit à Saint-Pierre de Caen. Et il peut être une salle de concert, c'est comme par exemple à Salt Lake City, c'est l'orgue mormon du tabernacle. Alors, ici donc on est à Malo-les-Bains, je pense qu'on a vu où c'était Malo. Alors c'est un orgue qui date de 1959. Alors on voit différentes parties, notamment on voit des tuyaux en bas, ça représente le grand orgue, et tout en haut c'est le positif. On verra ce que c'est dans 2 minutes. Alors, cet orgue a remplacé un instrument qui était dans l'église, qui a reçu une bombe en 1940, et qui avait été construit par le facteur d'orgue Krischer, en lien avec le docteur Bedard. Le docteur Bedard qui était un médecin passionné de facture d'orgue. Voilà. Mais alors c'est un instrument avant. Voilà, alors là on voit le docteur Bedard avec sa grande barbe blanche et bien sûr Louis Vierne, l'organiste de Notre-Dame de Paris, qui était à Malo-les-Bains en 1933. Alors oui, l'orgue c'est un instrument avant, bien sûr, parce qu'il fallait remplacer le souffle de l'homme insuffisant pour assurer le son effectué avec de nombreux tuyaux. Alors l'hydrôle, c'était un instrument au temps des Romains. Il y avait deux pistons qui injectaient du vent, de l'air, dans une cloche retournée dans une cuve à eau, et l'air montant va exercer une pression qui sera nécessaire pour les tuyaux. Voilà, donc il fallait deux personnes pour pomper. Mais bien sûr, c'était pas très pratique. Et alors après, on a utilisé des soufflets comme ceux du forgeron, des soufflets cunéiformes. Alors on voit ici un orgue portatif avec un soufflet cunéiforme, bien sûr qui est pratique, mais généralement, quand on remontait le soufflet, l'orgue s'arrêtait. Hein, c'est des petits inconvénients. Et les orgues s'agrandissent au Moyen-Âge. Et par exemple, là, on voit l'orgue d'Alberstadt, c'est une gravure de 1619, où on voit qu'il pouvait y avoir jusqu'à 10 souffleurs qui actionnaient les soufflets avec leurs pieds. Ensuite, ça s'est amélioré, on a mis des poids sur les soufflets. Dans ce cas-là, il pouvait y avoir qu'une seule personne qui actionnait le soufflet, puis le soufflet redescendait sous l'effet du poids. Et c'est au 19e siècle que est apparu les soufflets à table parallèle. C'est ce qu'on trouve dans les orgues actuellement. Et on voit ici, en bas, on voit un soufflet cunéiforme qui pouvait être actionné par le pied et qui pouvait injecter l'air dans un grand soufflet à table parallèle. Voilà. Alors, qui étaient les souffleurs? Alors, les souffleurs, c'était le sacristain, c'était des gens bénévoles, des gens pieux, des gens divers, et aussi des clochards ou des vagabonds qui s'ouvraient sur le parking des cathédrales. Et c'est pourquoi ils faisaient ça, pour gagner un peu d'argent, pour se payer du pain et du vin, et même peut-être quelquefois plus de vin que de pain. C'est pour ça que l'organiste de Notre-Dame de Paris, Louis Vierne, disait qu'il avait une soufflerie à alcool. De même, l'organiste Vidor, très connu aussi, disait la même chose. Alors, mais le problème, c'est quelquefois, c'est un peu long, et les souffleurs, ils s'arrêtent, parce que soit ils doivent trop souffler. Alors, pour qu'il y ait plus de vent dans ces grands instruments, bien sûr, il fallait plus de soufflets, plus de souffleurs, et des soufflets plus importants, donc des fois plus difficiles à manier. Et le souffleur, il s'arrêtait. D'où on a essayé tous des systèmes, comme les machines à gaz, à vapeur, même des systèmes à eau encore, et des moteurs électriques. Et alors, si vous voulez la petite histoire, à Notre-Dame de Paris,
qui a payé le moteur électrique de l'orgue de Notre-Dame? Bien, c'était le président, directeur général de Rolls-Royce, Claude Johnson, qui était venu à Notre-Dame, et c'était Marcel Dupré qui jouait à l'orgue, et l'orgue s'est arrêté, parce que les souffleurs, il s'est arrêté. Claude Johnson a été à l'arrière de l'orgue, avec son porte-monnaie, il a déjà arrangé les choses. Mais ça ne se passera plus comme ça. Et c'est lui qui a payé à Notre-Dame de Paris le premier moteur électrique à Notre-Dame. Alors, pour faire comprendre aux enfants ce que c'est que l'électrification, hein, et puis peut-être pour reposer le grand enfant, un petit Tom et Jerry. Alors voilà le fonctionnement actuel, il y a un moteur électrique avec un régulateur de vent qui va injecter le vent, l'air dans un grand soufflet à table parallèle, et on voyait qu'il y avait des poids à la partie supérieure. Alors on va regarder s'il y a des questions peut-être, hein, on va regarder sur internet. Je regarde. Alors. Oui, Anagramme, il dit heureusement qu'on aime l'orgue et l'humour. Ah ah. Bah oui, hein, il faut s'y mettre de l'humour, sinon c'est pas marrant. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Bon. Localisation. Localisation? C'est-à-dire? Ben, où est-ce qu'on se trouve? Malo-les-Bains, nord de la France. Je vais vous montrer exactement une carte, si vous voulez, on peut revenir dessus. Voilà. On est exactement ici, tout en haut. Bon, je propose de continuer, mais alors le vent produit par la soufflerie sert à faire parler les tuyaux. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, oui, je peux t'expliquer. Quand on regarde un orgue, on voit des tuyaux. Mais la plupart des tuyaux, ils sont à l'intérieur de l'orgue. Ils sont un peu plantés, si on veut, sur une grande caisse en bois qui s'appelle un sommier. Alors, le sommier, au départ, il était primitif, c'était une simple caisse, et après, il s'est amélioré avec la confection de registres et de soupapes. Ah, c'est là que c'est quelquefois un petit peu compliqué pour comprendre l'ordre. Alors, les registres, c'était des planches en bois percées de trous, et là, on voit, avec le facteur d'orgue Bernard Bouclet, le registre de la trompette du grand orgue, où il y a tous des trous. Et quand les trous communiquent avec les tuyaux sont prêts à parler. Et quand on voit, on imagine un organisme qui tire sur des tirettes, si on veut, c'est qui met en fonctionnement les registres en position ouverte. Alors, ensuite, il y a le sommier. Alors, vous allez voir une petite vidéo, parce que l'orgue de Malo, il n'y avait pas de positif à la partie supérieure, et donc un sommier a été installé au positif. Alors on voit à la partie haute, il n'y avait pas de tuyaux en 2015. Et voilà le sommier qui est arrivé. C'est deux demi-sommiers qui ont été installés à la partie supérieure de l'orgue. On voit bien que ce sont des caisses en bois.
Voilà, alors comment marche un orgue, hein? On voit qu'il y a du vent qui arrive par le soufflet, qui va dans la caisse en bois, où il doit atteindre les tuyaux. Et il y a deux barrages pour qu'il atteigne le tuyau. La soupape qui s'ouvrira si on actionne au niveau du clavier. Et d'autre part, pour que le tuyau sonne, il faut qu'il y ait le registre qui soit ouvert. Alors on tire la tirette, le rouge, et le registre est ouvert, et le tuyau pourra donc sonner. Voici un schéma très simplifié. L'orgue est un instrument à vent, aujourd'hui fourni par un soufflet électrique. L'air arrive alors dans le sommier, une sorte de réservoir. Lorsqu'on appuie sur une touche, un clapet libère l'air sous pression qui se dirige vers les tuyaux. Mais pour obtenir un son, il faut choisir un registre qui correspond à une sonorité que l'on veut obtenir, un hautbois par exemple. L'air passe alors dans le tuyau et l'on obtient une note. Si l'on actionne un autre registre avec cette même touche enfoncée, on jouera la même note, mais dans une sonorité différente. Merci pour ces explications, mais l'organiste dans tout ça? Alors, l'organiste, c'est quelqu'un déjà qui a appris, parce que l'orgue, je voyais une question, c'est comme un piano? Non. Il y a des claviers, mais c'est pas un piano, c'est des instruments à vent. L'organiste doit faire du solfège, il doit apprendre à jouer de l'orgue, connaître la registration, on verra ce que c'est un registre. Il doit apprendre la musique, voire la musique religieuse, et la liturgie aussi, si c'est un organiste qui accompagne à la messe. Alors, quand on arrive à la console comme là, il faut que je mette en route le moteur de l'orgue, ici, pour pouvoir actionner, on l'a vu, le moteur électrique qui va insuffler le vent dans le sommier. Voilà. Et alors ici, il y a trois claviers, mais il y a des orgues à un seul clavier. Alors ici, par exemple, c'est l'orgue qui est à 20-30 km d'ici, l'orgue de Westcapelle, qui est un orgue dont la tuyauterie est de 1683. Il fait partie des orgues les plus anciens de France, voire d'Europe. À droite, on voit il y a beaucoup de claviers. C'est comme à la Convention Hall à Atlantic City. À l'orgue aussi, il y a aussi un pédalier. Donc, on joue avec les pieds. Avec les pieds. Pour jouer avec ses pieds, on joue avec des chaussures. Alors les chaussures pour les organistes, c'est très important. Je conseille, c'est des chaussures ça de danse avec un talon et ils seront lisses par en dessous. Il y a des organistes qui jouent à pieds nus et puis il y a des organistes qui jouent avec pour s'amuser, des chaussures lumineuses par exemple. Alors que l'orgue français en général, il y a un pédalier plutôt qui sera pas comme ça, mais à petite touche. Et là, on voit un orgue, c'est l'orgue de Haringe, de 1778, un orgue Van Peteghem. C'est un pédalier à la française. Dans les pièces d'orgue, il y a souvent du pédalier, mais des traits de pédalier, mais rarement que des pièces jouées avec que le pédalier. Alors, je vais vous faire voir deux vidéos. Ça, c'est un virtuose du pédalier qui s'appelle un Américain, Cameron Carpenter, assez original, et après une valse à quatre pieds. Thank you.
Alors, j'ai vu une question, entre autres, de M. Alexandre Blaise, qui demande est-ce que le registre se règle électriquement ou manuellement. Alors justement, j'ai oublié de vous dire que on verra comment fonctionnent ces registres. C'est aussi des registres ici, dans cet ordre, qui se commandent électriquement. Parce que il y a un système de transmission entre les claviers où joue l'organiste et l'orgue, là il est derrière moi, hein, le buffet d'orgue. Et donc la transmission ici, c'est un orgue moderne, elle est électrique. Il y a des orgues anciens, c'est mécanique. Quand on tire sur une tirette, ça va tirer sur une réglette en bois, des équerres, etc., qui vont faire, le registre va coulisser et les tuyaux pourront parler. Alors, voilà ici par exemple, comment fonctionne la soupape, les soupapes à l'orgue de Malo. C'est comme là, on est à la partie à l'arrière de l'orgue et on va voir. Voilà, ça c'est un ressort de soupape. Alors, à la partie supérieure, on voit une soupape en bois. Hein, c'est là que le vent passera de l'espace qui s'appelle l'allée vers la gravure. Pas dedans. Et pour qu'elle revienne en place, il faut installer un ressort. C'est ce que là, le facteur d'orgue faisait à l'orgue de Malo. Et il y a en dessous un électro-aimant qui va pouvoir tirer la soupape. Et là, il y a une personne qui est à la console et on lui dit encore? Vas-y, joue. Et quand il joue, eh bien, on voit voilà, la soupape qui bouge. Hein? Stop. Et alors, il y a autant de soupapes que de notes. Ici, il y a 61 notes, donc il y a 61 soupapes. Pour un clavier, bien sûr. Alors, pour nos petits amis, ils ont fait aussi le frais des soupapes. C'est des soupapes à un peu à dessin animé, mais c'est pour c'est détendre un peu, les soupapes. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Oui, alors je regarde le chat hein, pour voir s'il y a des questions. C'est comme un piano, dit Anagramme, à accorder. Alors on va voir, c'est pas un piano, parce que piano c'est un instrument à cordes, mais ici c'est un instrument à vent. Donc, voilà. Et donc pour l'accord, on va voir comment ça fonctionne. Et à vent avec des tuyaux. Peut-être une question bête? Non. C'est pas une question bête, Anagramme. Alors, j'avais vu... Alors, qu'est-ce que je vis ? Anne-Marie Degan. Je dis bonjour à Anne-Marie, tiens. Ça me fait plaisir de la voir au niveau du chat. Qu'est-ce que je vois comme question ? Non, je ne vois pas d'autres pour l'instant. Bon, tu peux peut-être nous parler des tuyaux alors. Oui. Alors. L'orgue est un instrument à vent qui parle avec des tuyaux. Alors, j'ai ici. On va d'abord parler à un type de tuyaux qui s'appelle des tuyaux à bouche. Ils fonctionnent comme la flûte. D'abord, qu'est-ce que c'est? Ah oui, tu voudrais que j'explique comment c'est un son. Bah oui. Avant, quand nous jouons avant la note de Do des tuyaux sur un son, piano, par exemple, faut expliquer ce que qu'est un son. Voici amplifié et ralenti l'allure de la vibration qui s'installe sur la corde. Cette vibration, d'apparence complexe, est en fait la superposition d'une infinité de vibrations, nommées les harmoniques. Le premier se nomme le fondamental. Il vibre à la fréquence F0. Les harmoniques suivants ont des fréquences multiples de F0, et à chacun d'eux correspond une note. Autrement dit, en jouant la note Do,
nous faisons résonner d'autres notes. Le deuxième harmonique vibre avec une fréquence double de celle du fondamental. C'est un Do une octave plus haut. Le troisième harmonique se révèle être un Sol, la quinte de Do. L'harmonique de rang 5 est un Mi, la tierce de Do. Et d'autres notes suivent si nous montons plus haut dans les harmoniques. Ce que nous entendons en jouant ce Do, c'est le son émis par la superposition de toutes ces vibrations. Les amplitudes relatives de chaque harmonique caractérisent le timbre d'un instrument. Notons que la tierce et la quinte, associées à la tonique Do, constituent ce que les musiciens appellent l'accord parfait. Ils sonnent en effet de façon très harmonieuse, et cela peut s'expliquer physiquement par le fait que les notes Mi et Sol qui sont jouées viennent renforcer les harmoniques Mi et Sol, déjà présents dans la note Do. Voilà, vous avez compris, c'est pas trop compliqué. Faut simplement retenir qu'un son, quand on fait une note, comme un Do, il y aura le son Do, mais en même temps, et l'oreille, on l'entend pas trop, il y aura ce qu'on appelle des harmoniques, des notes plus aiguës, et des notes d'une intensité beaucoup plus faible. Donc, pour savoir aussi ce que sont des tuyaux, pour les grands-enfants et les petits, allez, on regarde Tom. Voilà, alors, on y arrive. Donc, à l'orgue, il y a deux types de tuyaux. Il y a des tuyaux à bouche et des tuyaux à hanche. Le tuyau à bouche, il fonctionne comme la flûte. Il y a une embouchure ici, hein, un trou qui fera que l'air passera en vibration. Et, voilà. Et l'avantage d'une flûte, c'est que quand on joue, on peut faire toutes les notes. Je vais montrer. Et on voit, plus je mets mes doigts sur les trous qui se trouvent sur la flûte, plus le son est grave. Entre ça, hein, c'est-à-dire qu'on a allongé la colonne d'air vibrante dans l'instrument. Alors pour l'orgue, c'est pareil. Alors, pour l'orgue, il y a des tuyaux à bouche, comme ceci, où il y a une bouche avec un pied, le corps du tuyau, la bouche avec la lèvre supérieure et inférieure, et les oreilles. Et à l'arrière, mais on le verra tout à l'heure, il y a un petit... les plus anciens qui connaissent la boîte à sardines, il y a quelque chose qu'on peut enrouler qui permettra d'allonger le tuyau. Ça sera pour la corde. Et là, c'est un tuyau qui est plus petit. Alors, vous comprendrez bien qu'un tuyau long, un tuyau court, il est beaucoup plus aigu. Donc, premier paramètre important, plus un tuyau est long, plus il sera grave, plus il est court, plus il sera aigu. C'est pour ça, si vous regardez un orgue, il y a des très grands tuyaux, justement, pour avoir des sons graves. Et il y a les tout petits tuyaux pour avoir des sons aigu. Ce qui est un paramètre important aussi, c'est le diamètre du tuyau, qu'on appelle la taille. Et la taille va donner, avec d'autres paramètres, notamment la structure du tuyau, il va donner le timbre. Voilà. Alors, si vous voulez voir comment on fabrique un tuyau, ben, Pascal, vas-y. Voilà. Le tuyau est fait en étain et en plomb. Il peut être en bois aussi, il peut être en zinc, il peut être en cuivre, mais là, c'est étain-plomb pour ceux qui sont faits
et on va mettre à 200 degrés ce mélange étain-plomb dans une espèce de chariot qui va permettre de faire la feuille de métal. Voilà, il y a la question de Alexandre Pia. En quelle matière sont faits les tuyaux métalliques? Voilà, c'est en étain et en plomb. Et il y a un mélange. Comme là, c'est des certains tuyaux, c'est 80% d'étain, 20% de plomb, par exemple. Mais le facteur d'or peut choisir un mélange différent, suivant la sonorité qu'il veut avoir pour le tuyau. Que je dois faire. Registre avec gauche. Voilà, là donc c'est les tuyaux donc sont soudés à l'étain comme il y a plusieurs siècles de la même façon. Donc tout ça, c'est un travail artisanal et on peut bien comprendre qu'un orgue, ça coûte assez cher quand même. Voilà, il avait mis le facteur de le biseau et après il soude le pied et le corps. Et comme il y a une peinture spéciale, si on veut, quand on fait des soudures, après il faut l'enlever et il va nettoyer le tuyau. Voilà, alors j'ai une question intéressante de Monsieur Antoine Maillefer d'Armentières. Qu'en est-il des tuyaux en zinc? Ce métal n'est-il pas utilisé pour certains tuyaux de montre? Ah oui, alors l'avantage c'est qu'ici à Malo, il n'y a pas de tuyaux en zinc, ce sont des tuyaux en étain-plomb. Et d'autre part, généralement les tuyaux qu'on voit, quand on regarde un orgue, ce sont les tuyaux d'un jeu qui s'appelle montre. Mais à Malo, c'est la flûte. Voilà, donc c'est totalement différent. J'espère avoir bien répondu à la question de Monsieur Antoine Maillefer. J'espère. Alors, je vous montre la console. Il y a différents claviers qui ont un certain nom. Ça, ça s'appelle le grand orgue, ça s'appelle le positif, et ça s'appelle le récit. Sur la partie droite et gauche, on a des registres. Et alors, si on regarde bien, par exemple, on voit, il y a ici un nom, montre, et 8. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Montre, c'est le timbre, donc l'organisme sait quel va être le timbre du jeu qu'il va mettre, et 8, c'est-à-dire que le premier tuyau, si je mets la montre, le premier tuyau mesure 2,60 m, il mesure 8 pieds du roi, le pied du roi c'est 32,4 cm. De même, flûte, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Donc, quand je vois 8, c'est à la hauteur comme un piano. Si il est marqué 4, c'est plus aigu. Pour la même note, là, je mets la montre 8.
Et si là je mets le prestant, plus aigu, et là, et deux pieds là, c'est encore plus aigu. Voilà. Et alors quand on met tout ça, c'est un peu le fond de l'orgue, hein, quand on met tous ces jeux. Voilà. Alors il y a aussi des jeux, par exemple, ici, par exemple, des jeux qui sont désaccordés dans l'orgue, qui vont pouvoir donner une vibration. Alors ça s'appelle Dulciane et voix céleste. Dulciane, c'est un jeu à taille, tuyau étroit, et voix céleste, c'est le jeu désaccordé. Donc si j'en mets un, il ne se passe rien. Si j'en mets deux, il y a une ondulation. Ça sert beaucoup. Alors ensuite, dans l'orgue, il y a des jeux qu'on appelle des jeux de mutation, c'est-à-dire que quand on va jouer une note, il ne va pas jouer la note qu'on joue. Par exemple, si je joue un Do avec un corps de nuit, c'est un Do, mais si je joue ce même Do avec un Nasar, c'est un Sol aigu. Et si je mets les deux en même temps, ça donne une sonorité particulière. C'est la sonorité qui est donnée par ces jeux de mutation qu'on appelle dans l'orgue caractéristique les cornets. Voilà, là c'est, on voit le Nasar. Si je mets corps de nuit, prestant, Nasar, et je mets aussi une tierce, en fait l'orgue va intensifier l'ensemble des harmoniques du son. Et là, ça me fait ce qu'on appelle un cornet. C'est une sonorité très caractéristique de l'orgue. Alors ensuite, il y a un autre type de tuyau, qui est un tuyau à hanche. Alors, tuyau à hanche, on a une rigole, on a une lamelle en laiton et on a une tige de fer ici qui monte jusque là qui s'appelle la rasette. Et l'anche n'a pas du tout le même ton parce que c'est la languette qui va vibrer sous l'effet du vent. Et ce n'est plus la hauteur du tuyau qui fera la hauteur du son, mais c'est la longueur de cette petite languette. Hein, je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui. Et le son n'est pas du tout pareil. On voit que c'est pas du tout pareil. Alors ici, il y a des hanches, il y a trompette, clairon, bombarde, hautbois, voix humaine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Alors, comment on fabrique les tuyaux à hanches? Alors, Pascal, il va nous mettre une petite vidéo. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Parce que celle-là, on l'a déjà vue, donc ce serait dommage de voir deux fois la même chose. Alors, j'ai une question intéressante de Alexandre Blaise qui me demande combien y a-t-il de tuyaux sur un orgue. Alors dans un orgue, ça dépend de l'instrument, il y a des orgues avec peu de tuyaux et il y a des orgues, il y en a plus. Hein, à Malo, ici il y en a 3243, il y a 46 registres. Est-ce que cela correspond au nombre de touches? Non, les touches vont correspondre aux soupapes. Donc pour un jeu, c'est-à-dire un ensemble de tuyaux ayant la même sonorité, il y aura, pour simplifier, mais c'est pas tout à fait vrai, 61 tuyaux. Donc ça, c'est les registres. Je peux passer la vidéo maintenant. Vas-y.
Il y a eu un petit bug. Il y a eu un bug. Téléspectateurs. Il y a eu un bug. Donc là, l'important, c'est de la languette. On l'a vu sur le tuyau à hanche, la languette qui doit être chauffée, raclée. Et la languette est raclée, et alors un élément très important pour une languette, c'est on doit faire une courbure qui nécessite un outil spécial. Où ça? L'accord est vidéo. Oui, on peut le montrer. On mettra les deux accords en même temps. Voilà, donc on voit derrière un genre petit orgue, en fait c'est un mannequin où le facteur d'orgue peut tester les tuyaux qu'il a fabriqués. Et là on voit l'accord dans l'orgue de Malo des tuyaux de voix humaine. Alors, comme on parlait d'accord des tuyaux à hanches, on va vous montrer aussi l'accord des tuyaux à bouche. Alors, soit c'est le petit enroulement qu'on peut mettre à l'arrière du tuyau comme les anciennes boîtes à sardines, soit on peut utiliser un outil avec une pointe d'un côté qui va élargir le tuyau, donc l'allonger, et l'autre côté, c'est une cloche qui va le rétrécir. Vas-y. Voilà, j'ai essayé d'expliquer succinctement le fonctionnement d'un orgue. Il y aurait beaucoup à dire parce que les orgues, c'est en fonction des époques, c'est en fonction des pays, des régions. Il y en a dans le monde entier, ils sont remarquables. Mais après, il y a toutes les musiques d'orgue, c'est très vaste. Mais alors, Louis, je sais bien que par le monde, il y a des orgues magnifiques, mais tu as oublié de montrer l'orgue de chez de Bière de Malo et de le faire entendre. C'est quand même la fête de la musique aujourd'hui. Oui, bah bien sûr. Je vais répondre à une question. J'ai une demoiselle, Élise Fournier, qui me demande « Les tuyaux peuvent-ils s'user ou sont-ils éternels ?» Eh bien, c'est une bonne question, parce que si on utilise un instrument électronique, on sait que l'électronique n'aura qu'un temps. Par contre,
Il y a des orgues qui existent encore du 15e, 14e siècle, et les tuyaux sont encore fonctionnels. Donc, à mon avis, ils sont en quelque sorte éternels, mais ils ont une durée de vie très 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 longue, et en plus, ils vont représenter dans leur accord, dans leur harmonisation, une époque. Excellente question. Alors, combien de temps met-on à accorder un orgue ? Ah, ça, c'est Alexandre Pia, bonne question. Alors, ça dépend de l'orgue. S'il est petit, ça va vite. S'il est grand, c'est beaucoup plus long. Des tuyaux à hanches. Ici, à l'orgue de Malo, il y en a quand même pas mal de jeux à hanches. Donc, généralement, on accorde avant chaque concert les tuyaux à hanches. Et deux fois par an est l'idéal. Et l'ensemble du tuyau de l'orgue, comme ici, doivent être revus un par un. On comprend bien, il y en a 3243. Donc, ça prend un temps, plusieurs jours, pour pouvoir accorder l'orgue. Donc, on voit que l'orgue, c'est un instrument quand même artisanal qui nécessite un entretien et faut y croire. Voilà, alors, l'orgue de Malo ? Ouais, vas-y. Effectivement, ici c'est un orgue Boucher de Bière, c'est une grande marque d'orgue de Nantes. Avec trois claviers, un pédalier, car on joue avec les pieds, il a 46 jeux et il comprend 3243 tuyaux. Alors il y a des tuyaux en bois, des très grands, qui mesurent plus de 5 mètres de haut. Et il y a des tuyaux qui sont tout petits, comme celui-là, voilà, qui mesurent 1 cm si on part à partir de la bouche. Et voilà, là, tous les tuyaux, la forêt de tuyaux du grand orgue. Et les derniers tuyaux qu'on a installés, que l'association a permis d'installer à Malo, ce sont ces tuyaux-là, qui sont des tuyaux de voix humaine, qui ont une sonorité tout à fait particulière. Et vous pouvez regarder aussi l'ensemble des tuyaux du clavier de récit. Et il y a aussi des tuyaux tout en haut. Bon, alors ici, le titulaire est resté en bas parce qu'il a un peu le vertige. Mais je vais essayer de vous montrer quand même les tuyaux du positif. Voilà. Vous voyez, c'est quand même un peu impressionnant. Mais là, vous avez tous les tuyaux du positif. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on est venu, nous avons laissé les étiquettes pour pouvoir retrouver facilement les noms
de tous ces tuyaux. Bon, eh bien, merci pour cette visite, mais alors, cette voix humaine dont vous nous parliez à l'intérieur de l'orgue, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, la voix humaine est un jeu très ancien de l'orgue et très récent dans l'orgue de Malo, car il a été installé l'année dernière grâce à tous ceux qui sont associés à ce projet, c'est-à-dire la paroisse, c'est-à-dire l'association et la ville. Alors, je vais vous faire entendre ce jeu de voix humaine avec un morceau qui s'appelle « Cœur de voix humaine » de Louis Lefébure-Vély. Louis Lefébure-Vély qui était l'organiste de l'église de la Madeleine à Paris, fin 19e. Voilà, alors j'ai une question. Une question de Lucie Nierfou. Combien y a-t-il de sonorités différentes sur un orgue ? Alors, ça, sur un orgue, ça dépend de l'orgue. Plus il est grand, plus il y aura des sonorités nombreuses. Ici, il y a 46 registres, donc on pourrait penser 46 sonorités différentes. Or, on peut associer le registre entre eux et qui complétera et qui donnera encore des sonorités différentes. En plus, après, il y a aussi des tremblants qui permettent de faire trembler le son, comme on l'entendait avec le cœur de voix humaine, où c'est le jeu de voix humaine qui tremble. Donc, le nombre de sonorités sont énormes. C'est 46, mais au minimum, mais sinon beaucoup plus. Voilà. Les grands jeux. Alors, les grands jeux. Pourriez-vous nous faire entendre les grands jeux ? Ah oui, bon, parce qu'à l'orgue, il y a deux types. Il y a les pleins jeux. Les pleins jeux, c'est les jeux, je dirais, le fond de l'orgue avec les mixtures, comme ici, par exemple. Les grands jeux, il faut associer les jeux à hanche, les cornets, et on peut rajouter le prestant. Je vois que monsieur, c'est Antoine Maifer, c'est ça, a l'air d'être un connaisseur. Hein, donc je vais vous faire écouter. Je n'ai plus de questions. Alors ? On peut peut-être montrer des orgues intéressants. Oui, il y a des orgues qui sont remarquables. Comme celui-là, Saint-Omer. Saint-Omer, qui a été revu par Cavaillé-Coll en 1855. Orgue magnifique, tant sur le buffet que sur la tuyauterie. Würzburg. Alors, Würzburg, on voit ici des trompettes
des jeux d'anches, des trompettes qui sont à l'horizontale. On appelle ça des trompettes en chamade. Reykjavik. Et Reykjavik, c'est pareil. Hein, on voit, c'est un angle moderne, on voit ces trompettes horizontales en chamade. Grenade. Voilà, alors les chamades sont assez caractéristiques des orgues espagnols. Comme à Grenade. Breda. Voilà, Breda, un buffet magnifique. Klosterkirche. En Allemagne. Évreux. Alors, à Évreux, un orgue tout à fait original, avec des volets qui s'ouvrent, et il a une forme, il est 2003, je pense. Saint-Edwin. Berlin. Voilà, Berlin qui est une ville très riche en orgues. Nuremberg. Regensburg. Alors, pour terminer, il faut savoir sur des orgues, il y a aussi il faut des automates, notamment à la cathédrale de Strasbourg, où on a des petits bonhommes, je pense, c'est au moment de la Pentecôte qui sont actionnés. Et là, je vous montrais à Trèves, où il y a un petit diable, mais ça se trouve dans les orgues anciens. Et ça, c'est un orgue plutôt moderne, mais ils ont reproduit un petit diable comme autrefois. Alors voilà, donc j'ai une question intéressante, parce que j'en ai peut-être pas parlé, de Denis Bragante. Y a-t-il un combinateur ? Oui. Je pense que vous êtes un connaisseur, parce que faut vraiment connaître l'orgue, ça va. C'est-à-dire que c'est un combinateur pour aider à la registration. Je sais pas si on me voit là. Oui, me dit mon opérateur. Il est ici. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un combinateur, ça permet de mettre des registres préparés à l'avance. Hein, si je fais ça, je ne sais pas si on le voit, mais les registres, ils bougent tout seuls. Je vais approcher avec la caméra, voilà. Peut-être, pour pouvoir montrer ça plus correctement. Voilà. Hein, quand le combinateur, il est là, je peux le régler, le faire avancer ou reculer au pied. Et ce qui se passe, c'est que les registres, ils vont se mettre tout seuls. Alors, je peux dire que c'est super d'avoir un combinateur sur un orgue. Quelquefois, on pourrait dire, ah ben, cet orgue, les 59, on ne mettait pas de combinateur à l'époque. Donc, si vous restez dans son jus, il ne faut pas de combinateur. Eh bien non. Non, parce que vraiment, c'est pratique. Moi, je ne suis pas concertiste, je suis qu'un amateur, comme beaucoup. Eh bien, je peux dire que même pour accompagner les offices, le combinateur, c'est extrêmement pratique. Et je le conseille. J'ai eu un petit coucou à qui je dis un comme ça, c'est à Thérèse Marie Souillard. Ah, voilà, c'est ça. Donc, c'est bien organisé. Denis Bragante. Organise du, non, je sais pas où c'est, ça, Orgue d'Alzenapfer de 1878. D'accord. Ben, c'est sûr que ici, c'est un orgue plutôt moderne, hein. Et il y a 35 jeux. Voilà. On en a un peu plus, il y en a 46. Mais déjà, avec 35 jeux, c'est vrai qu'un orgue est hyper intéressant.
Ah, j'ai mon amie Edith qui écrit. Coucou, félicitations pour cette conférence passionnante sur l'or. Bonne fête de la musique. Alors Edith Goris, elle a appris l'orgue ici. Maintenant, elle habite en région parisienne, mais elle a commencé à jouer l'orgue ici. C'est un orgue Beuchet de Bière qui faisait quand même de bons instruments et il est très pratique à jouer et très confortable, n'est-ce pas, mon collègue? Alors, si ça vous intéresse, bon, vous pouvez aller sur le site des Amis de l'Orgue. Si vous êtes passionné, vous pouvez même adhérer à l'association des Amis de l'Orgue de Malo-les-Bains. Vous trouverez les bulletins d'adhésion sur le site. Comme ça, vous devenez, bien sûr, adhérent. Et il y a même un lien PayPal que vous voyez ici en bas, en dessous de cette vidéo, YouTube, tout simplement. Vous pouvez donner une participation, même si elle est modeste. À partir de 10 euros, vous avez un reçu fiscal systématiquement. Je regarde s'il y a encore d'autres questions. Ah oui, à 20 km au nord de Metz. Alors j'ai été, on me dit, Hugues Range. Alors je peux dire une chose, c'est que moi j'ai été très impressionné par l'orgue de la cathédrale de Metz, qui est en hirondelle, qui est accroché à la paroi de la cathédrale. Et je conseille vraiment aux organismes d'aller visiter cette cathédrale, parce que c'est extraordinaire. Marie-Christine Dolé, coucou de Cannes. Ah, voilà, d'accord. Et merci pour toutes ces informations. Alors, Marie-Christine, on t'attend toujours à l'orgue de Malo, parce que quand, je pense que tu es venue jouer comme si une église ouverte, elle était pas mal ennuyée par des gens qui sont passés. Mais bien sûr, avec plaisir, tu viens jouer quand tu veux. C'est une passionnée d'orgue, dame. Elle habite Nice. Je crois que j'ai vu un petit peu tout. Ah, tout à l'heure, j'avais dit Lucie Nierfou, mais c'est Lucie Fournier. Hein. C'était pour changer un petit peu, parce qu'il y avait quand même beaucoup de Fournier dans les questions. Donc, Alexandre Pia, merci beaucoup pour cette vidéo. Alors, je voudrais dire quand même qu'on a fait cette démonstration grâce à Alexandre Pia, dont le métier, c'est de travailler dans la vidéo et le son. Donc, un grand merci Alexandre. J'espère que tu passeras de bonnes vacances parce qu'il nous regarde des Alpes. Je crois que c'est bon. Hein. Ben, je crois qu'on a fini. Tout, hein. Alors, si il y a des organismes qui passent à Malo-les-Bains, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur le site internet, il y a nos coordonnées. Et si vous voulez voir l'orgue, eh bien, vous nous téléphonez. Denis, j'ai eu le plaisir d'être à l'orgue Garnier de 1575 à 80 mètres. Plus impressionnante depuis cette orgue en Idiron. Ah, elle est magnifique cette orgue. J'aimerais bien le voir. Ça, vraiment, ça me ferait plaisir de monter à cet instrument. Et ce qui est magnifique, c'est tous les orgues sont différents. Que ce soit dans une même ville, ils ont tous des sonorités différentes, des buffets différents. Et même l'orgue le plus petit a toujours un intérêt. Donc c'est super. Un grand merci Antoine et oui, bonnes vacances Alexandre. À bientôt, on vous dit au revoir et n'hésitez pas à écrire même sur le site des Amis de l'Orgue. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.